Messieurs, bonjour et bienvenue à ce tout nouveau numéro d'Automag, un numéro d'Automag spécial puisque nous sommes ici dans ce magnifique cadre du Terre-Oubi Hotel, le Terre-Oubi justement qui nous invite en collaboration avec le musée des forces armées à découvrir les différentes voitures limousines de nos précédents chefs d'État que sont Monsieur Léopold Sédar Senghor, Abdoulaye Wade et bien entendu Abdou Diouf. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné donc, Automag déroule le tapis rouge à ces modèles mythiques d'une autre époque certes, mais qui ont fait les beaux jours de l'indépendance du Sénégal. Une émission spéciale où je serai en compagnie donc des membres du musée, le staff carrément du musée des forces armées qui est là au boulevard de la République, où sont exposées d'ailleurs au quotidien ces voitures que vous voyez derrière moi. Allez, c'est donc parti pour une émission spéciale donc, coup d'œil dans le rétroviseur de l'indépendance du Sénégal à nos jours donc, avec le musée des forces armées et bien entendu l'hôtel Terre-Oubi de Dakar. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, c'est Automag qui prend le volant. Juste préciser que je suis à la caméra avec Ibrahima Diouf bien entendu, et puis au montage avec Abdoulaye Diouf. C'est parti, Automag numéro 168. Témoins muets de l'histoire du Sénégal depuis les indépendances, ils le sont assurément. Et pour cause, ayant magistralement transporté nos trois premiers chefs d'État aux quatre coins du pays pendant de longues années, eux, ce sont les imposants véhicules présidentiels de la République du Sénégal. De la limousine communément appelée rideau rouge du président feu Léopold Sédar Senghor à la rutilante limousine de 1998 du président Abdoulaye Wade, en passant par celle du président Abdou Diouf, Automag vous amène à la découverte de ces immenses automobiles présidentielles, désormais réformées, mais qui aujourd'hui encore restent toujours aussi énigmatiques. Une visite guidée avec tour à tour le sergent Jacques Diouf et Mam Ousmane Tine, guide au musée des forces armées de Dakar. Bonjour, je suis le sergent Jacques Diouf de la direction des archives et du patrimoine historique des forces armées, communément appelé musée des forces armées. Alors, le modèle qui se trouve derrière moi, c'est le plus ancien véhicule du président Senghor, qu'il a cédé au président Diouf, donc, et que le président Diouf a utilisé. Donc, c'est une Mercedes S500, donc une limousine marquise, voilà, donc, qui a été fabriquée en Allemagne. Voilà, et la particularité de ce véhicule, ce sont ces rideaux qu'on appelle les rideaux rouges, puisque c'est de couleur grenat, et l'aménagement intérieur, le fauteuil est en cuir grenat, couleur, et il y a une télé, une radio à l'intérieur pour la transmission, bien sûr, et les informations avec un toit ouvrant. Donc, et le véhicule n'est pas blindé, puisque à l'époque, donc, c'était pas un véhicule qui est blindé, ce qui a amené donc, à acheter un autre véhicule qui est blindé pour la sécurité du président. Alors, mesdames et messieurs, on est toujours au Terre-Oubi, à cette exposition itinérante, au lendemain de la fête d'indépendance du Sénégal. Et nous sommes dans ce véhicule, le premier de cette exposition. Notez que celui-ci a été acquis par le président Senghor, comme nous l'a si bien dit M. Diouf. Et ensuite, succession présidentielle oblige. Le président Abdou Diouf en a pris possession. Ce que j'aime bien dans ces limousines, c'est que Mercedes avait quand même une longueur d'avance. Il faut savoir que ça date pas d'aujourd'hui. Il y avait quand même un confort royal à bord de ces limousines présidentielles. Après vous avoir présenté donc le premier modèle, je vous présente ici le deuxième modèle qui a servi sous la majesté du président Diouf. Donc c'est aussi une Mercedes-Benz, donc de type berline longue, n'est-ce pas, limousine, donc avec donc un blindage robuste. Et l'intérieur, donc l'aménagement intérieur, c'est les sièges sont en cuir Amerta, couleur crème, et avec une télévision, bien sûr, un téléphone et une radio, donc voilà, pour l'information du président
Et c'est toujours une marque Mercedes, donc fabriquée bien sûr en Allemagne aussi, comme la première. Ce modèle a servi sous l'ère Diouf, qu'il a remis au président Watt, donc, qui ne l'a pas utilisé bien sûr, mais qui a acquis un autre véhicule de type Mercedes, dont je vais laisser Monsieur Tin vous faire la présentation. Alors, nous sommes dans la deuxième voiture présentée par M. Diouf et là, nous avons le téléphone présidentiel. Autant dire qu'à Automag, on est plutôt chanceux parce qu'à coup sûr, le président Abdou Diouf a forcément répondu à ce téléphone au moins une fois. Bonjour à tous les téléspectateurs de Automag. Je suis M. Mam Ousmane Tin, guide au musée des forces armées. Ce véhicule que vous avez derrière moi était le véhicule de commandement du président Abdou Diouf qu'il a acheté en 1998. Et jusqu'en l'an 2000, il y a eu le président Abdoulaye Wade qui est venu au pouvoir et qui a conservé ce même véhicule de 2000 en 2012. Et on peut dire même qu'en 2007, le président Wade a fait avec sa tournée de campagne présidentielle avec ce même véhicule. C'est une limousine de marque Mercedes-Benz, catégorie VP, type de véhicule 560 selles et type de superstructure berline longue. Usine de production, nous avons Sonderfein et date d'expédition, c'est le 7 avril 1998, peinture noire 197U, aménagement intérieur, vous avez cuir nappe noir. C'est une limousine qui est toujours fonctionnelle, mais garée au musée des forces armées. Je peux préciser aussi qu'à l'intérieur de la limousine, vous voyez que c'est plus vraiment élargi. Là, le président est plus à l'aise qu'avec les autres véhicules. Bon, pour terminer, sachez que c'est un véhicule 100% blindé. Et parce que connaître le passé nous permet de mieux préparer l'avenir, sachez que toutes ces limousines présidentielles qui maintenant ont fini leur service entament désormais un autre chapitre de leur vie au musée des forces armées situé au 75 boulevard de la République à Dakar. Elles y sont exposées en permanence, vous pouvez donc venir les y découvrir de visu du lundi au vendredi de 8h à 17h. L'entrée est gratuite. Ouvrons ce tour d'horizon de l'actu auto international avec Ford qui offre une nouvelle et quatrième génération à sa Focus pour fêter ses 20 ans. L'empattement s'allonge notamment de 5,3 cm, ce qui profite à l'espace intérieur et au volume de coffre qui affiche désormais une capacité de 341 litres. Siège arrière rabattu, ce chiffre grimpe même jusqu'à 1354 litres. La nouvelle Ford Focus fait également un bond en termes de technologie. Elle dispose notamment du système multimédia Sync 3 avec écran tactile 8 pouces et d'un chargeur pour smartphone par induction. Les aides à la conduite sont elles aussi de la partie avec notamment un affichage tête haute, un régulateur de vitesse adaptatif, l'aide au stationnement, la reconnaissance des panneaux de vitesse et un système de maintien de voie. Pour la première fois, l'américaine dispose aussi de l'amortissement adaptatif. Quant aux motorisations, on retrouve en essence le fameux 3 cylindres 1 litre EcoBoost décliné en 3 niveaux de puissance, 85, 100 et 125 chevaux, mais aussi un nouveau 1 litre 5 de 150 et 182 chevaux. En diesel, l'offre s'articule autour d'un 1,5 litre de 2 litres EcoBlue pour des puissances de 95, 120 et 150 chevaux. Cerise sur le gâteau, une nouvelle boîte de vitesse automatique à 8 rapports fait son apparition, disponible en 5 portes en break mais aussi dans une version crossover baptisée Active. La nouvelle Ford Focus devrait être lancée en septembre. Son prix débutera alors à 19 550 €. Audi vient de dévoiler un nouveau concept pour Gran Turismo sur PlayStation 4. Surprise, ce bolide se décline en deux versions, une virtuelle baptisée Vision Gran Turismo et d'autres réelles nommées e-tron Vision Gran Turismo. La première est hybride, elle se remarque à sa calandre noire et associe un V6 3 litres 4 turbo et un bloc électrique pour une puissance totale de 1292 chevaux. Développée en seulement 11 mois pour une véritable utilisation sur piste, la seconde, reconnaissable à sa calandre blanche,
blanche et telle 100% électrique. Elle est animée par 3 moteurs, un à l'avant et 2 à l'arrière, et annonce une cavalerie de 815 chevaux. Avec une transmission intégrale quattro et un poids à seulement 1450 kg, l'engin peut tomber de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes 5. Tout juste dévoilé, ce concept e-tron Vision Grand Turismo s'apprête déjà à prendre la route. L'Audi A6 6e génération devient break comparé au modèle précédent. Peu de changements niveau gabarit avec toujours une longueur de 4,94 m. L'empattement augmente ici de quelques centimètres, de quoi améliorer le confort des passages aux places arrière. Le sort réservé aux bagages est lui inchangé. Le volume aussi entre 565 et 1680 litres. Côté technologie, l'A6 avant fait le plein avec l'arrière de 3 écrans numériques dont 2 tactiles au niveau de la console centrale. Le break profite en outre d'un système de conduite semi-autonome, de suspension pneumatique et en option de roue arrière directrice. Sous le capot, l'Audi A6 avant reçoit 3 diesels de 204, 231 et 286 chevaux. Un B6 TFSI de 340 chevaux constituera l'unique offre en essence en attendant l'arrivée de V8 avec le RS6. Si toutes les motorisations sont équipées d'une boîte automatique technologie S-Tronic et Tiptronic selon les blocs, seuls les V6 disposent de la transmission intégrale de série. L'arrivée de la 6 avant en concession est prévue en septembre. Coup de projecteur sur la Camaro de 6e génération, la sportive américaine s'offre un léger repoutrage avec ici de nouvelles optiques plus effilées. La signature à LED se prolonge désormais vers le centre d'une calandre agrandie. À l'arrière, les feux s'arrondissent. Dans l'habitacle, aucun changement notable. Chevrolet a juste profité de ce coup de blush pour introduire un nouveau rétroviseur avec caméra de recul et un nouveau système multimédia. La sportive gagne en outre une boîte auto à 10 rapports. Comme son rival le Mustang, cette mise à jour stylistique devrait être proposée dès 2019 avec toujours les deux motorisations au catalogue, le 2 litres turbo de 275 chevaux et le V8 6 litres 2 de 453 chevaux. Les tarifs pourraient très légèrement grimper à cette occasion. Aujourd'hui, ils débutent à 41 470 euros pour le coupé et 49 200 pour le cabriolet. Des tarifs dans le sillage de la Ponycar, mais qui ne lui permettent pas d'égaler ses ventes. En 2017, il s'est vendu presque 10 fois plus d'exemplaires de Mustang que de Camaro. La petite vintage commençait à montrer ses rides depuis son lancement en 2005. Aston Martin a donc renouvelé sa sportive. Sous ses lignes plus agressives se cache une plateforme en aluminium collé et riveté et un V8 4 litres biturbo de 510 chevaux d'origine AMG couplé à une boîte auto à 8 rapports. Cette vintage offre une répartition des masses parfaite et un style plus bestial que jamais. Les Corvette, Jaguar F-Type, Mercedes AMG GT et Porsche 911 n'ont qu'à bien se tenir. Aston Martin est de retour et en force. BMW annonce du neuf avec cette nouvelle M2 compétition qui se dote désormais d'un bloc que l'on croisait jusqu'ici sous le capot de ses grandes sœurs, les M3 et M4. Le petit coupé est toujours animé par un 6 cylindres en ligne de 3 litres, sauf qu'ici, gavé de 2 turbos, il ne développe plus 370 mais 410 chevaux. Côté performance, la M2 compétition se fait plus véloce. Avec un chrono de 4 secondes 2, elle gagne un dixième sur l'exercice du 0 à 100 km/h dans sa configuration boîte auto. La boîte mécanique reste toujours disponible. Limitée à 250 km/h, la vitesse maximale peut être repoussée à 280 avec le pack optionnel M-Driver. Esthétiquement, la M2 compétition profite de nouveaux rétro plus aéro, d'entrée d'air élargie, d'une nouvelle signature lumineuse ou encore d'une calandre fullback. À bord, le bouton de démarrage devient rouge, le carnet de commande est ouvert, mise à prix 66 950 euros, livraison prévue en septembre. Quelle est la sportive la plus vendue dans le monde? Elle est américaine et c'est une Mustang. En 2017, elle s'est écoulée à près de 126 000 unités sur la planète. À titre comparatif, Porsche a vendu 4 fois moins de 911 sur la même période, vendue dans 146 pays dont le Sénégal, où elle n'aura malheureusement pas eu le succès à cause de tarifs bien trop élevés chez nous. Les États-Unis restent donc son marché de prédilection. Il s'en est vendu plus de 81 000
exemplaires. Quant à la motorisation préférée des acheteurs, le V8 5 litres de 450 chevaux devance le 4 cylindres 2 litres 3 de 290 chevaux. La Mustang restylée débarque en ce moment même en concession, ticket d'entrée 39 900 euros ou 46 900 euros selon les blocs choisis. Le concept est devenu réalité. La classe A Sedan présentée il y a tout juste un an est de retour en Chine dans sa version de série. Le modèle a été présenté à l'occasion du Salon de Pékin. Dans sa transformation, la berline tricorps s'est encore allongée, d'où le L de son nom. Quelques centimètres supplémentaires qui portent sa longueur totale à 4,61 m, quasi autant qu'une classe C, elle aussi présentée en Chine dans une version à empattement long. Cette sedan, elle, hérite d'une planche de bord high-tech avec ses deux larges écrans, du nouveau système multimédia basé sur l'intelligence artificielle et du dispositif de contrôle vocal et Mercedes. Animé par 3 4 cylindres de 136 à 190 chevaux, tous associés à une boîte automatique à 7 rapports, elle sera lancée en Chine au second semestre 2018. Une version adaptée aux clients non chinois suivra. Reste à savoir sur quel marché débarquera cette alternative moins sportive que le coupé 4 portes CLA. À présent, place à un concept électrisant avec BMW qui s'ouvre au SUV zéro émission avec le iX3. On le reconnaît à sa calandre pleine, ses haricots ne sont plus séparés, des badges i et des éléments bleus viennent ajouter la touche finale. Techniquement, BMW a travaillé pour obtenir un dispositif d'entraînement plus performant, plus léger et moins encombrant. Puissance affichée 270 chevaux pour une autonomie de plus de 400 km selon la nouvelle norme WLTP. Le BMW iX3 est attendu de série en 2020. Il sera le deuxième des 12 modèles 100% électriques prévus par le constructeur d'ici à 2025. Grosse offensive Volkswagen en Chine, le constructeur y a lancé une nouvelle marque nommée Sol, qui n'est autre que le fruit de sa co-entreprise avec le constructeur local JAC. Par son intermédiaire, la firme allemande va lancer 10 modèles 100% électriques d'ici 2023, dont un SUV baptisé E20X. Ce véhicule bon marché et au look évocateur développe 116 chevaux et affiche une autonomie de plus de 300 km. Il est attendu dans les concessions au second semestre. Dans le cadre du Salon de Pékin, Volkswagen a également présenté la nouvelle génération de sa berline Lavida et a également introduit la CC version chinoise de l'Arteon. La déferlante de nouveautés du Salon de Pékin continue de s'abattre. Nissan a profité de l'événement pour revoir et corriger sa Leaf. La compacte électrique est devenue ici berline tricorps. Le constructeur japonais n'a dévoilé qu'un chiffre, l'autonomie. Elle serait de 340 km selon les normes locales, l'équivalent de 250 km selon le cycle européen d'homologation. Rien ne précise si la Leaf et la Sylphie partagent la même puissance de 150 chevaux et la même batterie. Attendue dans les concessions chinoises courant 2018, elle ne devrait pas rejoindre le vieux continent, peu friand de ses carrosseries. La Sylphie fait partie des 20 VE que Nissan veut lancer dans les 5 ans. La Lexus ES de 7e génération livre enfin tous ses secrets. Cette routière jusqu'ici réservée au marché américain et asiatique élargit son horizon. Le best-seller du chic constructeur japonais va débarquer en décembre 2018. Elle profitera alors d'une unique motorisation hybride d'une puissance totale de 218 chevaux. Pour ajouter une pointe de sportivité à l'ensemble, il faut opter pour la finition F-Sport reconnaissable à sa grille de calandre grillagée. Elle comprend suspension adaptative et mode de conduite spécifique. À bord, un grand écran central de 12 pouces 3 et un combiné d'instruments numériques sont présents, quelle que soit la version. La Lexus ES s'attaque de front au BMW Série 5 et Mercedes Classe E. En juin, BMW lèvera officiellement le voile sur sa nouvelle Série 8 coupée, dont on s'est déjà fait une idée grâce au concept présenté en mai 2017 et des prototypes encore camouflés. Le camouflage est toujours de mise dans cette nouvelle vidéo publiée par le constructeur et tournée au Pays de Galles. Elle accompagne un communiqué de présentation de la M850i X-Drive. En bref, BMW nous annonce qu'il s'agit de la version la plus sportive de la gamme en attendant l'arrivée prochaine de la M8. Cette 850i reprend le V8 4 litres 4 biturbo maison. Il équipe déjà la M550i. La différence vient de la puissance avec un gain de 68 chevaux pour atteindre les 530 chevaux. Le modèle reçoit d'office une boîte automatique à 8 rapports et comme son nom l'indique, une transmission intégrale. La répartition des 750 Nm de couple privilégie les roues arrière. Notez enfin que ces dernières sont directrices. Retour à présent au Salon de Pékin où vous l'avez remarqué, il n'y a pas un seul stand ou presque sans voiture électrique. La raison est simple, à compter de 2019, les voitures électriques et hybrides devront représenter
représenter 10% des ventes des constructeurs locaux. Sans ça, ils devront payer des pénalités. Pour les acteurs locaux qui détiennent 96% du marché de l'électrique, c'est une aubaine. Les autres doivent vite adapter leur offre. La Chine, premier marché automobile mondial, espère vendre 5 millions de véhicules électriques par an en 2020, soit 8 fois plus qu'en 2017. Pour parvenir à cet objectif, une politique incitative a été mise en place. Elle offre par exemple aux automobilistes chinois la gratuité des frais d'immatriculation d'un modèle si ce dernier est considéré comme écologique, une mesure qui serait vraiment la bienvenue chez nous. En bref, focus sur le SUV le plus puissant à ce jour sur le marché, le Grand Cherokee Trackhawk. On le sait, sa carrière ne se limitera pas au pays de l'oncle Sam. Il débarquera en Europe à l'été au tarif de 120 000 euros et sera doté du puissant bloc V8 6 litres 2 de 707 chevaux. Audi confirme le Q8, c'est bien lui qui se cache derrière les bouts d'adhésif fluorescents, comme en témoignent de nouvelles photos publiées sur Twitter. Préfiguré par le concept Q8 présenté en 2017, ce SUV coupé rival du BMW X6 sera présenté en juin à Shanghai. Le Cayenne hybride est de retour, la troisième génération du SUV Porsche n'aura pas tardé à profiter de l'association d'un moteur thermique, ici un V6 essence à un électrique. Cette variante hybride rechargeable affiche une puissance combinée de 462 chevaux. Baptisée simplement i-hybride et non plus si-hybride, la Cayenne bénéficie d'une fonction boost et davantage d'autonomie en mode 100% électrique grâce notamment à une batterie de plus forte capacité. Côté chiffres, Porsche table sur une consommation de 3 litres 2 avec la monte de pneus la plus efficiente. Le 0 à 100 km/h réclame lui 5 secondes. Ce Cayenne est proposé au tarif de 92 304 euros. Notons qu'il inaugure de nouvelles options, l'affichage tête haute inédite chez Porsche, le régulateur adaptatif, les sièges massants ou encore le pare-brise chauffant. Allez, on boucle cette rubrique Actu Auto avec ce pick-up pas comme les autres, le monstrueux Ford F-150 Raptor de 455 chevaux qui s'est retrouvé à glisser sur la piste de l'enfer vert. Après les images spectaculaires d'une Mustang RTR en vrac dans tous les virages, c'est ce gros mastodonte qui se frotte au célèbre circuit du Nürburgring. Regardez, c'est juste impressionnant. C'est ici qu'on se quitte sur les allées de ce très très bel hôtel, l'hôtel Terubi de Dakar, où était exposé donc au lendemain de la fête d'indépendance de cette année 2018, ici même les limousines mythiques hein, qui ont servi aux différents chefs d'État. Hein, chef d'État du Sénégal, que sont Léopold Sédar Senghor, mais aussi Abdou Diouf et bien entendu Abdoulaye Wade. C'était donc un numéro spécial. Je remercie infiniment l'Hôtel Terubi de nous y avoir conviés en collaboration, bien entendu, avec le musée des forces armées. Merci à eux tous de nous avoir fait découvrir ces joyaux de l'automobile, comme je le disais en début d'émission, d'une autre époque, certes, mais qui ont fait partie intégrante du Sénégal après indépendance. Il y avait Ibou Diouf à la caméra, Ablaye Diouf était au montage, Racine Kane à l'infographie. On se donne rendez-vous samedi, même chaîne, même heure, pour toujours plus d'actu et de nouveautés automobiles à partager ensemble. Mais d'ici là, portez-vous bien. Bye.